C'est ce vendredi que se sont rencontrés le président Martelly et quatre sénateurs du groupe des six. Les sénateurs Moïse Jean-Charles et Wessner Polycarpe n'ayant pas répondu à l'invitation du chef de l'État. Une fois de plus, les discussions se sont déroulées loin des micros et caméras des journalistes. Ça que saute fait en l'air là, ce n'est pas pour négociation saute fait. Président, il était pour le cadre de consultation là pour rencontrer tout le monde, il consultait nos groupes de six et nous-mêmes nous faisons la proposition, nous référer, nous demander pour rencontrer les six entités, même Jean était déjà manifesté volonté pour le rencontrer, Jean le dit nous, et nous-mêmes nous demander rencontrer les six entités et à partir de là, négociation yo. Pour commencer. Pas quelle autre proposition, puisque c'est une consultation qu'il a fait nous. Et puis nous-mêmes, nous expliquons nous comment nous sommes crise là. Et nous, qui ça doit être fait, qui problème qui gagne. Je dis à un moment arrivé pour nous une solution dans la crise là. Et nous ne pouvons pas attendre encore. Et nous demandons rencontrer les six partis politiques pour que ensemble nous chita parler pour nous mettre tout ça possible sur la table là pour nous arriver jeune. Il y a une solution qui n'a intérêt pays. L'idée, c'est que je continue les consultations. Okay. Je continue les consultations avec les différentes parties, les différents secteurs de la vie nationale. Et en fin de compte, quand on aura tout fait, tout vu, ou encore vu une majorité, pour que une majorité soit représentée, à ce moment, le président pourra intervenir à partir d'une synthèse des propositions qui auront été faites. Je vous remercie. Il n'y aura pas d'engagement pour ce que vous rencontrez, monsieur le président. Et je vous souhaite à vous tous. Nous prenons engagement pour rencontrer ces partis politiques. Un bon week-end. Merci. L'été toujours dans l'agenda, nous voulons rencontrer tout le monde. Et qui la négociation a commencé? Le ministre de la Communication, Rudy Herriveau, appelle les sénateurs du groupe des six à assouplir leur position. Il dit aussi que le mandat de 5 ans du président Martelly n'est pas négociable, comme le souhaite l'aile dure de l'opposition politique. Nous avons souhaité que ces honorables sénateurs comprennent la nécessité historique qui gagne journée aujourd'hui, pour être capables de lâcher du lest, assouplir position yo, et à le plancher enfin sous amendement à la loi électorale, tant que les chambres députées ont été faites de manière célère et efficace. Nous-mêmes, en tant que porte-parole du gouvernement, souhaitons, désirons que nous sommes capables d'exprimer là, c'est que bon bagage de concret, de sérieux, qui sortit de énième série de rencontres saillot, mais qui nécessaire, qui utile, parce que le président a dit là à la tribune de l'ONU, nous croyons dans la vertu du dialogue et les obstacles, aussi puissants soient-ils, ne sont guère insurmontables. Nous-mêmes, nous croyons ça. Mais le président de la République avait aussi ajouté que les élections sont un passage obligé pour le renforcement et la consolidation des institutions républicaines. Et je me tiendrai toujours du côté des principes républicains pour capable répéter le chef de l'État. Tout pays a abtan, que gon bagay qui sorti. Nous-mêmes, tout, n'espérons gon bagay qui a sorti, parce que de toute façon, il faut qu'il y ait des élections. Dans le premier trimestre, année 2015, ans, première élection, pour deux tiers dans le Sénat renouvelé, Chambre des députés et collectivités territoriales, là, avant que à la fin de l'année 2015, et on organise les présidentielles. Le professeur Amari Joseph Noël propose une médiation plurielle pour le dialogue politique. Il appelle chaque groupe à nommer un médiateur qui définira, sous la supervision de Mgr Chibli Langlois, la marche à suivre dans les discussions. Parce que normalement, il faut nous une médiation plurielle. Et médiateur pluriel, ça, on a pensé à Chibli Langlois comme un expert médiateur. Et puis chaque groupe, t'as voyé un médiateur, un monde qui a choisi. Donc si c'est chaque groupe, moi je m'identifie au groupe antagoniste, moi le Parlement, l'exécutif, l'opposition radicale, je pense mon pod, opposition modérée des avec quoi au PL comme ça, ou bien le judiciaire, la société civile, cette religion, catholique, protestant, vaudou. Donc yo, chaque fois un représentant et pour un expert qui monsieur Langlois qui t'a pas organisé ça. Maintenant yo même
Première rencontre que tu as fait, c'est à repartir ta chose pour réaliser, faire une réflexion commune sur les objectifs du grand dialogue, yo décider qui méthodologie interne qu'a fait, yo décider phase, champ à couvrir, durée, rôle. Par exemple, rôle de la presse. Parce que si on t'a défini rôle de la presse là autrement, dialogue politique elle rend choix pas t'apparaître un grand inconnu alors que c'est un succès bœuf pour la nation. Il pas t'apparaître et nous pas t'apédi les avantages d'une initiative de ce genre. Le ministère de la Santé publique s'étonne d'apprendre par les réseaux sociaux que certaines organisations internationales et agences de l'ONU auraient lancé un appel à candidature pour recruter des volontaires haïtiens pour de courtes missions en Afrique dans des zones infectées par Ebola. Et dans un communiqué, Florence Duperval-Guillaume s'oppose à de telles pratiques et les interdit formellement. La ministre a par ailleurs lancé un appel aux citoyens pour qu'ils évitent de se déplacer dans les zones infectées par le virus Ebola afin d'épargner au pays l'épreuve d'une autre épidémie. Ce communiqué est signé par la ministre de la Santé publique, Florence Duperval-Guillaume, du ministre de l'Intérieur, Reginald Delva, ainsi que de Lénaire Renaud, le ministre de la Défense. Gagné autorité concernée des Nations Unies que pour le ministre là t'es convoqué rapidement suite à rumeur ça yo et moi t'es présent dans rencontre là avec ministre santé publique là côté que l'était démenti catégoriquement que gagne une telle démarche donc il t'a foqué nous pour que ça t'a fait pas oublier que journée jeudi à la freine nous ce nous en quête d'emploi. Regardez ce qui a passé devant l'ambassade Brésil. La bonne idée de côté que Mounio aller vers on la vie meilleure, quel que soit prix. L'on prend quand même, mais je vous dis, là, nous allons recevoir, et semaine prochaine, là, des compatriotes, nous, qui vont prendre la zone Porto Rico, qui vont retourner au bas, nous, mais, nous t'a parlé avec l'autorité américaine, yo. Le a questionné, yo, c'est des mouns qui jouent que, yo, y'a cherché la vie meilleure. Donc, là, nous, quand même, préoccupés. Et nous paraît indifférent justement à l'information qui vient de nous, d'ailleurs que nous voyons vérifier et d'ailleurs devant le bureau pour nous voir ce qui a passé. Et c'est la raison pour laquelle et nous joignons les amis nous des Nations Unies qui disent nous tel n'est pas le cas. Donc on monde essayer tenter et porter et application dans le bureau ça, c'est presque son perte de temps que lié. Peut-être que son le job que nous avons demandé en dedans, mais en ce qui a trait à ces courtes missions que et nous sommes capables de circuler comme information, nous sommes capables de dire, suite à un compte que nous faisons avec autorité et onusienne en Haïti, nous avons démenti catégoriquement. Et en préparation de la Journée mondiale de l'habitat, le premier lundi d'octobre, l'entreprise publique de promotion des logements sociaux, EPPLS, en collaboration avec l'unité de construction de logements et de bâtiments publics, l'UCLBP, a organisé une conférence débat autour des défis de l'habitat en Haïti. Placée cette année sous le thème « Donnons la voix aux bidonvilles », cette journée mondiale de l'habitat marquera le début en Haïti d'une nouvelle ère, selon ce qu'a laissé entendre le ministre des Affaires sociales et du Travail, Charles Jean-Jacques. Ça veut dire que si nous prenons soin de village ça, et que pendant la croissance démographique, pas de contrôle, absence de l'État pour accompagner la population, éducation qui a aidé, nous comprenons qu'on fait petit pendant que nous sommes capables d'occuper. On peut avoir un éclatement bidonville, éclatement logement social, ça, vous avez village ça, qui vient bord des bidonvilles, je veux dire, à côté que si on du feu au côté, on pas qu'à rentrer au camion pompier pour aller éteindre du feu. Le mal existe, mais je veux dire, on fait bagaille autrement pour nous construire une nouvelle Haïti, qui respecte les normes d'urbanisme, et côté que nous sommes capables de dire que EPPLS lui-même joue rôle pleinement pour le capable de faire équation difficile ça. Perception des loyers, retour en service, et continuer à créer confiance à bailleurs de foyer pour qu'on construise davantage de logements sociaux pour le pays. Donc nous avons l'autre dynamique. Une dynamique qui pourrait le porter nous à objectif pour nous livrer au moins 30 000 logements sociaux quand même dans le pays. Et nous capable de dire que je travaille d'RHP avec le Premier ministre pour nous voir si nous avons un quota de logements sociaux pour les ouvriers et les ouvrières des parcs industriels. Moun sa yo ki nan kategori salaire minimum ki pi ba, même si nous connaissons le conseil supérieur salaire là chaque année l'a fait travail li, mais en fait pour nous gon quota d'accompagnement social, il est capable 25%, il est capable 30%, et il pas le fait sous mérite, sous ancienneté, sous moun ki gen plus discipline, sous moun ki gen plus ti moun nan, même si n'a bataille que éducation capable renverser système ça. Et pendant n'a parlé d'éducation, là au pays dit priorité monsieur éducation, c'est pour ne pas jamais perdre du genre de investissement ça. Parce que plus vous gagnez éducation, plus vous comprenez qui est retour et qui responsabilité sociale vous gagnez avec bien l'État ou bien ou bataille pour les poules vignes pour sous 25 ans.
ou bien ou prendre comme étape dans vous qui parle maintenant nos côtés côté à fort capable d'améliorer pour passer le bas l'autre fort les mêmes qui ont plus de problèmes. En marge de la conférence débat réalisée en prélude à la journée mondiale de l'habitat et du logement, changer la mentalité des gens pour des bidonvilles améliorés est l'objectif de l'entreprise publique de promotion de logements sociaux EPPLS. Et à travers le directeur de l'institution Miotis qui en a fait l'annonce, des dispositions sont déjà prises afin de renforcer le service de l'encadrement social au sein de l'institution. Nous prenons un service qui est les services d'encadrement social, nous prenons en main, qui a changé la mentalité de monde pour que nous ne parlions la même situation sans gagner. Pour ça, nous, ouais, là, dans la cité de Dieu, dans la cité solaire, dans l'état 1, l'état 2, nous ne gagnons pas encore. Donc c'est à travers le genre de travail ça, que nous avons fait avec les bénéficiaires nous, qui pour permettre que nous ne tournions pas dans l'individualisation. Ou du moins, même si nous avons une dense population, mais nous n'avons pas de ville. C'est une série de monde qui est responsable, qui a une activité économique qui a fait. Voilà, pour pas question que vous avez tant de monde qui vient faire pour vous. Nous ne pouvons pas vouloir ça. Je veux dire, il y a un monde qui a une cité PPLS. Et puis, faire sorte à carrer l'éducation civique. Pas quitter les gens qui vient pour servir avec Kayla, pas qui vient pour servir avec voisin, lien, pas qui vient pour servir même à petit. Donc c'est tout bagage ça, mentalité ça pour changer. Et si tu que mentalité moun ça a changé, ou après li ba kayl côté la pévolue à valeur, li ba zone côté la pévolue à valeur. Tant que moun na vivre côté, li pa konn pou planter un pied bois là-dedans. Qui pa gen sens. Donc c'est tout ça on appelle cliquer moun yo, n'a fait moun yo konnen qui ça yé comme moun d'abord. OK, parce que l'oré tu ap tann moun fait pour tout temps. Ou manke moun le ça. Donc n'a incité vinn moun, lo créer une activité économique ba tête. Quel que soit salier, petit coulier, il met 50 calés, machin de pistache, pas d'app, mais créons bagaille pour faire. Et si tu as fait un bagaille, économiquement, je vous garantis que vous avez fait un PPLS demain matin. Le ministère de l'Agriculture, la mairie de Pétionville et la société Goût et Saveur Lacaille organisent ce samedi 4 octobre une foire gastronomique sur la place Saint-Pierre à Pétionville. Cette activité, qui se déroulera de 10h du matin à 7h du soir, a pour objectif de faire la promotion des produits locaux. Marché ça, c'est surtout pour permettre que supermarché nous, restaurants, hôtels et yo pral sous place Saint-Pierre avec nous, pour être capable de produire, yo même déguster produit, yo prendre contact avec producteur pour permettre que nous faire lien ça. Et ministère là a veillé à ce que au niveau de supermarché au fur et à mesure pour nous voir que rayon supermarché gain plus produits locaux. Et c'est dans sens démarche ça que n'a fait foire ça. Et c'est une activité qui pral organiser presque chaque mois. Donc, nous lançons dans Pétionville pour le mois d'octobre. Nous prenons fait activité ça pour permettre que nous-mêmes Haïtiens nous retournions consommer local. Nous acquis dans la commune de Pétionville un bel marché de fruits et légumes. Côté moi pral gagner représentant marché Saint-Yo a participé dans marché local ça qui a fait samedi sur la place Saint-Pierre samedi 4 octobre parce que moi quoi dans production nationale nous avons pas qu'être agriculteurs cap saute de différents régions des différents départements cap entrer venir à Pétionville. J'en suis fière. Mon ap vin visiter Pétionville. Mon ap vin un bel travail que nous faisons dans Pétionville. Qui ça, ça pourra le faire? Ça pourra attirer le regard, encore une fois, sur Pétionville. Parce que dans le cadre événement Goût et Saveur Lacaille, nous citer la plusieurs reprises. Nous avons un paquet de chefs qui sortit de l'étranger, qui pral participer dans la ça. Et qui ont même, ils pral recevoir, entre guillemets, des formations pour yon, comment nous apprêter l'amenant, comment nous apprêter, comment nous faire un tchaka, qui ça nous a fait avec produits locaux nou yo côté yo même yo pral retourner la caillo yo pral di mes amis même sont en Haïti moi découvre un bagage qui rele là moi découvre un bagage qui rele on manger qui rele chaka so si ça rele promotion et surtout nous pral permettre justement que gain on l'autre et un nouveau regard un regard de changement sur la commune de Pétionville même gens regardant déjà commencer sous pays au complet. Selon le météorologue de Radio Métropole, Rudolf Victor,
de l'air relativement sec et stable continue d'influencer la météo en Haïti. Par conséquent, les pluies seront limitées sur le pays pendant le week-end, et ce malgré le passage de la 43e onde tropicale de la saison, dont l'axe se trouve actuellement sur la frontière entre Haïti et la République dominicaine. Cependant, quelques rares averses localisées sont toutefois possibles, notamment sur les reliefs. Nous avons une onde tropicale, elle est sur Haïti en ce moment présent. C'est une onde tropicale assez faible, mais elle a produit quelques orages sur le plateau central. Il y en aura encore d'autres, mais des orages assez isolés, pas trop profonds, donc pas quelque chose d'important. Mais nous avons une masse d'air sec sur l'Atlantique qui s'étend des Antilles, en fait de la République dominicaine, disons, au 70e degré de Palais jusqu'au Côte d'Afrique. C'est de l'air sec, de la poussière saharienne, qui s'avance. Lorsque vous avez ces systèmes, ces poussières ici, pas d'activité pluvieuse. Donc on aura une période sèche pendant quelques jours, disons 5 à 6 jours, on aura une période sèche avant que d'autres conditions favorables arrivent sur l'Atlantique et nous apportent quelques pluies encore. Mm-hmm. On vous prend au mot, il n'y aura pas de pluie ce week-end. J'ai pas dit ça. J'ai dit que hier, aujourd'hui, il y a quelques orages isolés, okay. Isolés, mais c'est surtout sur les régions centrales du pays parce que c'est là qu'il y a le plus de forçage pour ces activités, mais sur le reste du pays, c'est extrêmement difficile d'avoir des activités de pluvieuse. Après, disons, dimanche jusqu'à mercredi, jeudi, absolument rien. Et si vous êtes allergique, faites attention parce que ces poussières sahariennes, elles causent des petits problèmes respiratoires, ceux qui souffrent de ces problèmes-là, justement.